Bon matin à tous, c'est la journée de la rentrée aujourd'hui. On est lundi le 20 août et c'est ma journée de rentrée aujourd'hui au Cégep, deuxième année de gestion de commerce. Et honnêtement, là, j'ai l'air heureuse aujourd'hui, mais tous les autres jours avant, c'était comme vraiment triste pour moi cet événement-là. Ça me tente pas de recommencer l'école, on est bien l'été, mais comme, c'est de même pour tout le monde, il faut vivre avec. Et si vous me suivez pas sur Instagram, ben là vous êtes un petit peu surpris, vous dites « Hey, y'a-tu quoi de changer avec ses cheveux? » Ben oui, je suis allée chez la coiffeuse la semaine passée, « Don't mind the mess in the back » et j'ai pas mis le bas de mes cheveux. C'est ça qui se passe avec ma vie. Et c'est ça. Là, je me suis habillée pour la journée. Je vais monter mon OOTD et je vais me maquiller aussi. Ben simple, maquillage everyday. Fait que je monte. Encore une fois, don't mind the mess partout en arrière. Comme on va faire comme si ça n'existait pas. Donc voici mon OOTD. C'est une jupe salopette, comme vous pouvez voir, de chez Simons. Et mon chandail vient aussi de chez Simons. C'est un chandail comme en mèche un peu, je sais pas si c'est, comme, c'est du filet. Puis j'ai une bralette en dessous parce que tu sais, comme c'est un peu transparent. Fait que c'est ça, c'est mon look de la journée. Puis tantôt je vais mettre mes sandales, des petites sandales comme plateforme noire blanche. Donc c'est ça, je suis pas mal toute prête à partir. Je pars juste un petit peu plus tard parce que mon premier cours aujourd'hui est à 1h, mon seul et unique cours. Fait que j'ai eu un cours de 4h aujourd'hui. Le lundi, je vais pouvoir dormir ou faire des devoirs, ou les deux. J'ai voulu filmer ma réaction à mon horaire, puis finalement, il a fallu que je l'aille sur mon sel, fait que j'ai comme pas pu filmer ma réaction. Mais en tout cas, comme, j'étais contente, mais en même temps, mon vendredi, comme, ça me rend vraiment comme triste parce que je peux pas travailler, puis oui, ça me fait chier. Il y en a qui aiment ça, comme, de pas travailler, mais moi non, j'aime ça travailler. Fait que, en tout cas, je peux pas travailler vendredi à cause de mon horaire, mais à part ça, mon horaire est pas si pire que ça. Je viens d'arriver à Jonquière et il reste 20-25 minutes avant mon cours. Et là, je sais qu'il y a un dîner hot dog, puis j'ai pas dîné. Fait que j'aimerais bien ça aller me chercher des hot dogs, mais je pense qu'il y a vraiment une grosse file. Fait que je vais y aller, j'espère avoir des hot dogs. Sinon, ben, je vais juste souper aujourd'hui, puis j'ai mangé deux toasts pour déjeuner. Puis là, j'ai comme retrouvé mon énergie pendant que j'étais en auto. Là, écouter de la musique, ça me fait vraiment du bien. Fait que là, j'ai trouvé mon happiness, puis là, je suis bien contente d'être ici, je sais pas pourquoi. Puis j'ai changé mon horaire avant d'avenir, je vais vous montrer ça tantôt. Là. Je vais vous montrer la différence avec mon ancien horaire puis mon nouvel. Mais je pense que ça m'a mis dans un bon mood. Fait que c'est ça, let's go! Rebonjour, il est présentement 15h et je sors de mon cours de marchandisage. J'ai parti pour dire marketing. C'est la même prof que mon cours de marketing de la dernière session, fait que c'est mélangeant. Là, je m'en vais chez moi. J'ai eu juste 2 heures de cours au lieu d'en avoir 4, fait que c'est bien peinard. Fait que là, je m'en vais chez nous. Il fait super beau. Puis c'est vraiment une belle journée pour la rentrée, mais il fait genre 32, fait que... fait chaud! C'est ça, je m'en vais faire 40 minutes d'auto, mais ça va quand même bien, ma petite musique, ça va bien. J'ai eu la super idée juste avant de partir du cégep, j'étais allée me chercher une slush, le cégep est juste à côté de moi, là on peut rien voir c'est certain, mais j'ai eu la vraiment bonne idée d'aller chercher ça au couche-tard. C'est la meilleure slush, si vous avez jamais goûté à celle-là du couche-tard, c'est vraiment la meilleure. D'habitude je fais un mélange pomme verte cerise, sauf que là il n'y avait pas pomme verte, puis la cerise était pas encore gelée, fait qu'en tout cas. Faites un bon mélange quand même, là, limonade, puis je sais pas, c'était un autre rose là. C'était vraiment super bonne. Fait que là, pour de vrai, je suis partie sur la route. Il est présentement 22h30 et là, j'ai vraiment l'air d'une messe parce que j'ai du mascara partout. Mes cheveux sont comme fous. Je m'en vais me laver puis j'ai fait une sieste à soir. C'est pour ça que j'ai comme du mascara partout. Fouillez-moi pourquoi j'ai fait une sieste, pourquoi j'étais fatiguée. J'ai aucune idée, mais j'ai fait une sieste de minimum 1 heure. C'est quand même une bonne sieste. Fait que c'est ça, je vous retrouve demain. Ce soir, je fais pas de devoir, je fais rien. Puis finalement, j'ai pas fait du montage parce que j'ai fait une sieste. Fait que je vous retrouve demain. Donc voici mon OOTD aujourd'hui. Chandail de chez Adidas. J'ai des shorts garage. Et je vais mettre les mêmes sandales que j'ai mis hier de chez Aldo. C'est ça, j'ai un cours à 8h20 aujourd'hui. J'ai un trou de 3h. Puis après, j'ai un cours de 3h, si je me trompe. Ça, je prends mes choses. Puis on s'en va. Présentement 14h45 et je viens de terminer mon cours de droit commercial et franchement je m'attendais pas à ça aujourd'hui mais parce que j'avais aucune idée de mes professeurs étaient qui, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé mes profs aujourd'hui et mes cours, je pense que ça va vraiment être intéressant malgré le fait que le cours de statistique c'est 5 heures, puis j'ai l'impression que ça va être bien long, surtout que je trippe pas tant sur les statistiques. Je vous ai
peut-être montré, je ne me rappelle pas. Mais j'ai fait du montage au centre social ce matin, parce que j'avais un trou de 3 heures, fait que j'ai fait le montage presque complètement de ma prochaine vidéo. La vidéo qui a été postée avant celle-ci, mon haul de fournitures scolaires, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre ça dans les cartes, peu importe le côté. Mais c'est ça, j'ai fait le montage de ça, il me reste seulement quelques petites choses à finaliser, mais comme j'ai tout fait les rough cuts, donc vraiment moi qui parle, il me reste à rajouter toutes les choses par-dessus, la musique, puis comme les petits détails, qui sont un petit peu moins longs à faire. Fait que c'est ça, je m'en vais faire ça. Je vous avais dit hier que je voulais vous montrer comme le changement d'horaire que j'ai fait. Fait que la différence avec ce que j'avais avant. Avant, ici, le vendredi, j'avais 2 heures, juste ici après, qui me faisait finir à 16h40. J'avais 2 heures de badminton, sauf que j'ai déjà fait le cours de badminton. Ça me tentait pas de le refaire. Fait que j'ai essayé de faire des changements et après une semaine d'essayer de faire des changements, j'ai réussi finalement hier matin. Et là, je terminais à 11h10 ici, même 11h05 le mercredi. Puis finalement, ben, je me suis rajouté ce cours-là. Au lieu d'avoir badminton ici, j'ai 4 heures de randonnée pédestre qui me fait finir à 17h35. Sauf que j'ai 6 semaines dans la session où j'en ai pas parce que j'en ai plus longtemps, mais moins souvent. Qu'est-ce qui fait un petit peu de sens? 23h11 et je viens de terminer mon montage. Je voulais poster mercredi cette semaine parce que je vais être back on track. J'ai toujours posté le mercredi pendant un an et les dernières semaines, j'ai comme pas réussi. Je suis comme plus dans ma game vraiment. Parce qu'au début de l'été, je postais 2 fois semaine puis à la fin, j'ai comme été 2 semaines que j'ai pas posté. Mais en tout cas, là, je suis back on track. Je vais poster une vidéo mercredi. Et j'en ai posté une déjà dimanche, fait que j'ai quand même plusieurs vidéos cette semaine. Puis le vlog que vous voyez en ce moment, ben ça a été posté après cette vidéo-là, fait que si vous l'avez pas vu encore, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de fournitures scolaires. Encore une fois, je vais vous la mettre dans les cartes si vous voulez la voir. Fait que c'est ça, je vous retrouve. Force de la journée, des belles vignettes. 140 pièces. Ouais, c'est vraiment un bel investissement, c'est le fun de payer pour le cégep. Il est présentement 16h35 et je termine mon cours de randonnée pédestre. Aujourd'hui, évidemment, j'ai pas fait de randonnée, c'est le premier cours. Fait qu'on a écouté un documentaire. Puis comme vous pouvez voir à ma face, on a quand même fait de l'exercice physique. On est allé courir, on a fait notre test, le fameux test Cooper, si vous êtes au cégep ou au secondaire. Vous savez, c'est pas le meilleur test, fait que c'est ça. Ma face après, c'est ça. Mais c'est quand même le test dans tout mon secondaire qui a le mieux été. Pas mon secondaire, je suis au cégep, en tout cas. Dans tous ceux-là que j'ai fait du test Cooper, c'est mon meilleur. Fait que c'est ça. Ça finit quand même bien la journée. Je suis comme fatiguée. Puis là, j'en vais faire mes ongles. J'ai le temps d'aller manger avant, je pars chez nous. Puis après, je vais aller faire mes ongles. Bon, ben, il reste 30 minutes avant mon rendez-vous et j'ai pas été chez nous finalement parce que je suis restée pognée comme 15 minutes dans une place où c'est supposé me prendre 2 minutes à passer. On allait à 20 km/h dans une zone de 90, puis le 3/4 du temps, on était arrêté. Fait que finalement, le temps que j'avais pour souper, qui était à peu près 15-20 minutes, ben je l'ai pas. Fait que ça me donnait rien de retourner chez nous pour 10 minutes, puis finalement peut-être arriver en retard. Fait que je suis comme parquée au centre-ville, puis j'attends l'heure de mon rendez-vous. Puis j'avais comme pas pensé, moi je pensais que je retournais chez moi, fait que je suis comme en linge d'éduc. Fait que je suis comme au milieu d'une rue passante au centre-ville, est-ce que je me change puis je mets genre des vrais pantalons ou finalement non? C'est ça ma question en ce moment parce que je suis vraiment en short d'éduc puis en chandail puis ça marche comme pas mon affaire. Fait que je sais comme pas ce que je fais parce que je m'en vais dans un centre d'achat. En tout cas, update! Je viens de me changer dans mon char sur une rue très très passante au centre-ville puis il y avait du monde. Fait que cherchez-moi comment j'ai fait là. Je pense que c'est une des choses les plus gênantes que j'ai faites dans ma vie. Puis je porte un bodysuit. Fait que imaginez-vous, moi, essayer d'attacher mon bodysuit dans mes leggings. C'est vraiment, ça a l'air indécent mon affaire. Puis j'essaie de me cacher. Une chose, j'avais mon manteau. Mais genre, il y a des familles qui passaient. Puis j'avais comme mon manteau par-dessus moi parce que j'étais en train de me changer. Fait que, note à moi-même, la prochaine fois que je me dis j'ai le temps d'aller chez nous, comme prends pas de chance, change-toi ou au pire, assume ton kit d'éduc. Mais. Le changement dans l'auto dans un endroit public, pas idéal. Je vous le conseille pas à 100%. Je sors de mon rendez-vous d'ongles. Il est 7h30 et là, il fait vraiment pas beau. C'est vraiment le fun. Puis, j'étais restée pognée dans le centre d'achat parce que c'est barré. Fait qu'il a fallu que je contourne puis que je sorte ailleurs. Je suis vraiment loin de mon auto. C'est ça, là, il pleut. Fait gris, on se sent vraiment l'automne, puis moi je sors avec des ongles jaunes, fait que genre je suis vraiment pas thématique. C'est ça!
Fait que je suis finalement retournée chez nous. Je suis partie à 7h ce matin. Fait que je suis partie en 12h. C'est ça. Fait que je vous retrouve peut-être plus tard. Je sais pas, sinon, à demain. Je voulais aussi, avant de conclure la journée, je vous ai pas dit les cours que j'avais aujourd'hui. Ce matin, j'avais un cours de... Ce matin, j'avais un cours d'anglais. Je ne vous ai pas filmé pendant le cours, puis je m'en suis rendu compte juste après. Mais première impression de ma prof, je m'attendais vraiment pas à ça parce que j'avais pas entendu tant des choses positives. Puis finalement, super drôle, vraiment le fun. Fait que je pense qu'on va passer une bonne session en anglais quand même. Ensuite, j'avais 3 heures de trou. Fait qu'on est juste comme aller au Dollarama, s'acheter des bonbons, moi et mes amis. Puis après, j'avais mon cours de randonnée pédestre. Vous avez vu ma face après. C'était comme intense. Mais voici mes ongles. Là, peut-être que vous dites, c'est comme pas l'été, c'est pas le temps pour ça. Mais il fait encore beau en septembre. Puis ça fait longtemps que je voulais du jaune. Fait que c'est ça. Je l'ai fait cette fois-là. Puis avec des petites paillettes. Parce que, tu sais, je suis extra comme ça. Fait que c'est ça. Voici mes ongles de ce mois-ci. Là, c'est vrai, je vous quitte. Regardez ta vidéo, puis là, elle m'a appelé hier, mais tu sais, j'étais là. Hey, elle avait la peine trop contente que je dise que j'allais aller chez oui, vous. Oui, elle était trop contente. Ouais, parce que la sœur à Marielle, elle écoute mes vidéos. Puis là, elle est super contente parce que je vais aller la voir. Ben oui, Sophie est trop contente. Ouais. Coucou Sophie. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? On écrit les noms. C'est quand même drôle que c'est à ce moment-là que vous filmez. Ouais, on écrit les points pour les initiations. Ouais, parce qu'ils ont des défis à faire. C'est ça, parce qu'on est plus les petits premières années. Ah, ah ça y est. Et on est dans nos tableaux parce qu'on est là demain. T'as tout? Non, je sais pas ce qui se passe dans la cafétéria. Rebonjour, il est présentement 3h moins 5 et je viens de terminer mon cours de statistique. J'avais 2 heures de statistique cet après-midi. Ce matin, j'avais 3 heures de logiciel informatique. Logiciel appliqué à la gestion, en tout cas, c'est de l'informatique. Et après, j'avais 2 heures de français. Et d'habitude, j'ai pas d'heure de dîner le jeudi. Fait que là, j'ai eu le temps de manger parce que mon cours de français a fini plus tôt. Mais d'habitude, je suis supposée comme manger pendant un cours. Qu'est-ce qui est vraiment pas tant idéal. Je sais pas encore ce que je vais faire pour ça. Fait que là, je m'en vais chez moi et ce soir, faudrait que je clenche les devoirs idéalement. Mais ça me tente pas tant. En tout cas, on va voir. Je vais essayer le plus possible d'en faire. Mais si je continue à faire comme les autres jours, ben je vais faire une sieste encore. Puis je vais me réveiller à 3h du matin, comme cette nuit, pour me rendre compte que j'ai la lumière verte et que j'ai pas les dents brossées. C'est ça. Je comprends pas pourquoi, quand il y a du cégep, je fais des siestes la première semaine. Non, je fais rien, là, mais je fais des siestes parce que je suis brûlée. That's Cégep Life, c'est ça, je m'en vais. Là, je suis tannée d'attendre ici. Fait à tantôt. Ce soir, j'ai fait la seule recette que je suis capable de faire. C'est pas vrai, je suis capable d'en faire quelques-unes, mais comme bonne recette quand même. Là. J'ai fait du macaroni. C'est ça. Du macaroni à la viande, parce que c'est ça que je sais faire puis qui est pas long à faire, parce que j'avais faim tout de suite en arrivant à 4 heures. Fait que c'est ça. Avant d'aller prendre ma douche, j'étais là à vous montrer mon outfit aujourd'hui parce que on a commencé la semaine thématique pour les initiations des nouveaux dans mon programme et à chaque jour d'ici mardi, on a des kits différents comme thématiques. Fait qu'aujourd'hui, ça semble peut-être pas évident, mais il fallait mettre un haut comme plus business, genre professionnel. Fait que les gars mettaient, mettons, des tuxedos avec une cravate ou un nœud papillon. Puis le bas, c'était comme soit des bermudas ou des shorts avec des gougounes. Fait que c'était vraiment comme supposé clasher. Pour moi, en ce moment, là, j'ai pas mes gougounes, fait que ça a juste l'air comme ben basic, là, mais c'est comme la seule chemise que j'ai. Fait que comme, c'est pas si pire, là, mais quand même. Fait qu'en tout cas, c'est mon kit pour aujourd'hui. Puis demain, c'est la journée nerd. Fait que faudrait que je prépare mon outfit pour ça. Mais vous allez voir, encore vous montrer mon OOTD aujourd'hui. Là, c'est la journée nerd et j'ai vraiment rien trouvé pour mon kit. Fait que j'ai mis mes lunettes. Parce que, tu sais, le stéréotype de nerd. Et le même bodysuit que j'ai mis il y a 2 jours, ben oui. Mais je suis comme, vu que c'est noir, ça paraît pas trop que c'est le même. Puis les nouveaux pantalons que j'ai achetés chez Dynamite. Puis je trouve vraiment, ils sont tellement beaux. Mais c'est comme, c'est un peu plus business que nerd, mais en tout cas. Puis je pense que je vais mettre des sandales parce que honnêtement, je sais pas quoi mettre avec ça. J'ai pas tant de chaussures noires. Puis là, on voit comme, en tout cas. C'est ça, aujourd'hui, je covoiture avec mon amie Eliane. C'est elle qui m'a cherchée le vendredi. On va essayer le plus possible de faire ça. Donc, elle vient me chercher aujourd'hui et c'est elle qui conduit. Donc, je suis bien contente, ça me fait une journée off de conduite. Fait que je vais essayer de vous la montrer tantôt. C'est ça, là j'ai un cours à 8h20, j'ai 3 heures d'analyse des performances en commerce. Je pense pas que ça va durer 3 heures, c'est le premier cours. Et ensuite, j'ai
une heure de statistiques, mon heure de dîner et 2 heures de français. On fait la dictée aujourd'hui. Yeah! Mais peut-être que je vais pouvoir finir à l'avance à cause de la dictée. Fait que c'est ça. On se revoit tantôt. Ah! Qu'est-ce qu'on fait, Eliane? On attend Anthony. Ouais, parce qu'on a fini à l'avance notre dictée. Il faut attendre Anthony. Okay. C'est ça. On est allé acheter des livres, c'est malade. Regardez les livres que j'ai achetés, ça coûte pas trop cher. C'est ça. On va-tu manger des Xenobites? Juste le goût, genre de boire. On va se dessiner, puis après, je vais vous retrouver. On est au team. J'ai pas encore ce que je vais prendre. C'est ça. Fait que là, j'attends Yann parce qu'elle est un petit peu là. Qu'est-ce que tu veux, Yann? Tu veux pas être vloguée? On est samedi et on est en début d'après-midi. Aujourd'hui, c'est ma journée Get Your Shit Together parce qu'on a toujours une journée dans la semaine où c'est ça. En tout cas, c'est ça pour moi. Hier, je suis sortie avec mes amis Léa et Eliane et on est allé au bar, mais j'ai vraiment pas beaucoup bu parce que il y a des journées comme ça, on est fatigué et on est juste pas capable de boire. Fait que moi, c'était ça, j'étais juste pas capable puis j'arrêtais pas de bailler. Moi, je suis la fille qui baille au bar en dansant. Fait que je me suis dit que j'allais terminer le vlog ici parce que ma fin de semaine va ressembler pas mal à ça. C'est pas mal juste comme. Faut être productif puis clencher nos choses. Fait que c'est ça que je veux faire. Et moi, je sais que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. J'aime vraiment beaucoup les vlogs Week in My Life à l'école. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais si oui, je pense que j'aimerais ça en refilmer encore parce que c'est quand même vraiment le fun à filmer. Puis de vous montrer un petit peu ma vie de tous les jours, vraiment différent de quand je vous filme juste devant ma caméra ici. Parce que là, vous pouvez voir vraiment mes amis. N'oubliez pas de mettre un thumbs up si vous aimez ce genre de vidéo. Vous abonner si ça vous intéresse aussi de me voir encore dans votre fil d'actualité. Et de peser sur la petite cloche qui est à côté aussi pour être notifié à chaque fois que je poste les mercredis. Et c'est tout. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Bye!